Voilà, bonjour à tous, voilà, j'espère que vous allez bien. Donc là je vous retrouve pour une nouvelle vidéo ici à Disneyland Paris. Donc voilà, c'est là, on approche de Noël, c'est déjà Noël. Donc là c'est parti pour une journée, on va dire vlog, détente, chill, tranquille. On va profiter encore de l'ambiance de Noël. Et puis ensuite, histoire de rentrer bien dans ces festivités qui nous attendent. Donc voilà, la journée démarre, voilà, il est 8h et quelques. Il fait encore nuit comme vous voyez, donc là le parc est encore allumé, donc c'est très joli. Même le matin vous pouvez profiter en venant bonheur lors des heures de magie en plus. Donc voilà, c'est parti. Donc c'est parti pour une longue journée. On va essayer de la passer ensemble du mieux qu'on peut. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Allez, c'est parti. Bon, mais voilà, en vrai, donc là je me retrouve, ça y est. En vrai, on va profiter donc là, on va profiter des heures de magie en plus, qui n'y a pas beaucoup de monde. Quand je vous le dis, c'est le meilleur moment de la journée, je trouve. Moi, à mon avis, c'est mon meilleur moment de la journée. C'est là que voilà, vous pouvez profiter de toutes les attractions. Donc là, on va attaquer du côté de Fantasyland. Je ne vais pas vous faire, là, ça ne sera pas le sujet des heures de magie en plus. Donc là, je vous retrouve. Donc là, je vais profiter et je vous retrouve un peu plus tard dans la matinée. Voilà, on attend que le jour se lève. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà, donc c'est ainsi que s'achève les heures de magie en plus. Donc là on a fait tout Fantasyland, on a fait Space Mountain avec 5 minutes environ. Donc là on se retrouve, il est 9h, le parc ouvre maintenant parce que comme c'est les vacances de Noël, le parc ouvre un peu plus tôt que d'habitude. Donc là on va se retrouver pour l'ouverture du calendrier de l'Avent de Disneyland Paris. Donc on l'avait pas encore vu sur la chaîne pour cette année. Donc là aujourd'hui on est le 20. Alors je tourne cette vidéo, aujourd'hui on est le 23 décembre, donc demain ça sera le réveillon. Et donc là, quand la vidéo sortira, ça sera déjà Noël. Mais on va ouvrir la 23e case du coup du calendrier de l'Avent et je vais vous montrer un petit peu. On ne sait pas si c'est Mickey ou Dingo, surprise, on ne sait pas. Bon, mais à tout à l'heure. Bonjour à tous. Bonjour. Ils sont magnifiques. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue à notre cérémonie du calendrier de l'Avent enchanté. I'm sure like us you can't wait to see what's behind the windows of the Enchanted Advent Calendar. Je suis Madame le maire de Disneyland Paris et je suis accompagnée de mon fidèle assistant, Marty. Marty? Marty? Oh, excusez-moi, il y avait mon monde. Hello everyone, bonjour. Madame le maire, look at this. Vous avez vu? What a wonder. Mais oui, Marty, c'est pour ça que nous sommes là. C'est le calendrier de l'Avent de Disneyland Paris. La cérémonie, Marty. The official advent calendar of Disneyland Paris. Je croyais que c'était le château de la Belle au Bois Dormant. Oh, mais non, Marty, no, it's not a castle. Voyons, le château est juste derrière. Que faites-vous, Marty? Je compte les lettres, voir s'il n'en manque pas une. Très bien, et elles y sont toutes? Oui. Bon, non, non,
Oui, parfait. Bon, alors comme le veut la tradition, nous allons ouvrir une fenêtre aujourd'hui. We are about to open a window. Parti. Oui. Le parchemin. Oui. Ah oui, le parchemin. Here is the official paper of our royal kingdom. Oh, madame. Oui, vous avez entendu ça? Oh, mais ça, Marty, c'est la magie de la saison d'hiver. Oh, the magic of the festive season. Merci, Marty. Pardon. Il était une fois à Disneyland Paris. Une fenêtre pour un jour. Un jour pour un présent. Un présent pour un enfant. Bienvenue à la cérémonie du calendrier de l'Avent. Tu m'as compris. Parti. Non, it's not a reason. Faites-vous. J'essaie d'ouvrir la fenêtre. Mais vous ne pouvez pas arrêter, Marty. Vous ne pouvez pas. Car seul un enfant qui croit très fort en la magie de Noël peut se servir de cette manivelle. For the magic to happen, only a child who truly believes in Christmas can turn the handle. Bon, Marty, ça suffit. Vous arrêtez avec cette manivelle et vous allez me trouver cet enfant. We must find a child. Oh, vous l'avez trouvé, Marty. Magnifique. Merci d'accueillir celle qui va ouvrir la fenêtre aujourd'hui. Please welcome the one who will open the window today. Bonjour, jeune fille. Comment t'appelles-tu? Madame Lambert. Qui est Madame Lambert. Excellent. On va bientôt voir la fenêtre. Oui, Marty, je suis à vous. Nous avons une invitée de dernière minute. A very special guest has joined us. Non, d'une manivelle mini. Regarde, Kimberly, Mini est là pour nous aider. Oh, Mini, I'm sure you're here to help. Kimberly, open the window. Oui. Nous sommes le 23, Madame Lambert. Déjà, Marty, le temps passe très vite. Oui, alors Kimberly. Nous allons compter jusqu'à 3 et tu vas tourner la manivelle. We're gonna count to 3 and you will turn the handle. Tu es prête? Oui, alors tous ensemble. All together. 1, 2, 3. Allez, tourne. 1, 2, parfait. Alors voyons voir. Oh, what a wonderful surprise. Merci Kimberly d'avoir créé la magie de Noël ce matin. Oh, and thank you, Minnie, for being part of the magic this morning. Oh, merci. Ah oui, j'allais oublier. Oui, oui, Marty. Oh, vous alliez oublier. Oui. Merci bien, Marty. Kimberly, j'ai ce ticket d'or très spécial pour toi et une merveilleuse surprise t'attend. This wonderful golden ticket is for you and a wonderful surprise awaits. Merci d'applaudir très très fort, Kimberly! Et bien sûr, un tonnerre d'applaudissements pour notre chère Minnie Mouse. Oh. Madame Lumet, je vous écoute. I want a surprise too, j'en veux une aussi. Évidemment, Marty. Sachez que vous pouvez retrouver cette surprise dans notre royaume. You can easily find this surprise in our kingdom. Well, that's wonderful. Oui, voilà. Et sachez que tous les habitants de notre royaume seront ravis de vous aider. All citizens of everybody. Voilà, on se retrouve en boutique. Alors voilà, c'était ça, la surprise du jour, c'était cette magnifique boule, cette boule à neige donc de Noël. Donc voilà, c'était la surprise qui était dans le calendrier de l'Avent aujourd'hui. Donc voilà, donc c'était la surprise que... On sait pas trop, en fait, si votre enfant a été tiré, a été choisi au début, en fait, voilà, il suffit que... Et on lui remet à la fin un bon, je pense, pour retirer une surprise. Je pense qu'il doit y avoir ça et d'autres choses. Je ne sais pas trop, mais je me renseignerai et puis je vous dirai sur... sinon, voilà, après, c'est des surprises. Vous pouvez, tout ce qu'il y a dans le calendrier de l'Avent, vous pourrez après les acheter dans les boutiques du parc. Bon, voilà. Bon, voilà, c'était le calendrier enchanté de l'Avent. Bon, on va continuer la journée. Je suis dans Pontierland, comme vous voyez. On va faire BTM. Puis voilà, je vous reprendrai une autre fois. À tout à l'heure. Bon, en vrai, il n'y avait que 5 minutes, il n'y avait vraiment personne. C'était. Voilà. Donc là, on fait toute la file d'attente à pied. Voilà. Allez, c'est parti. Un petit tour de BTM.
je ne m'en lave pas. Allez. Bon les amis, voilà, je vous retrouve, donc on a fait cette tour de BTM tout à l'heure, on a fait Pirates des Caraïbes, ça vous l'avez pas vu, on a fait plein d'autres attractions, bon le temps il pleut, bon c'est un peu ci, un peu ça. Alors regardez, ça y est, c'est ouvert, enfin, donc Autopia, ça a réouvert depuis le 14 décembre dernier, donc voilà, je vous filme un peu ça, il faut vraiment le voir à la nuit tombée, c'est magnifique, et comme vous voyez, il y a beaucoup de monde déjà. Bon, je vous le filme un petit peu. C'est pas mal, franchement, ils ont vachement amélioré, vous avez vu la peinture, les LED ont été refaites, voilà, il y a plein. Alors seul bémol, c'est qu'ils avaient prévu donc, à la base de mettre des fast-pass. Malheureusement, il n'y a toujours pas, y a pas de fast-pass sur l'attraction, c'est quand même dommage. Quand on voit la queue qu'il peut y avoir des fois. Donc là maintenant. Alors, on va aller maintenant du côté de Star Tour. Alors comme vous savez, à l'occasion de la sortie du film Star Wars l'ascension de Skywalker, donc l'attraction Star Tour a subi une mise à jour, donc avec l'ajout de nouvelles aventures on explore les deux nouvelles planètes, de nouvelles destinations du film, donc voilà, je vous mets un petit clip si vous voulez, et puis voilà, on va le faire et puis on se retrouve après. Bon, ben il y avait un petit peu de monde, on a pris un fast-pass, on reviendra tout à l'heure pour le faire. Donc il repleut. Bon, mais on se retrouvera après. Quand je l'aurai fait, je vous reprends. Voilà. Et vous avez vu le monde Star Wars. On est dans Star Tour. Donc là, on a pris, comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai pris un fast-pass. Donc là, on va direct par les fast-pass. Ça va être tout droit. Voilà, il y a la queue et on coupe directement la queue parce qu'on arrive directement ici au tourniquet. Voilà. Bon, bah, les embarquements immédiats pour les deux nouvelles destinations de l'ascension de Skywalker. A tout à l'heure. Bon, voilà, ça y est, on est sorti de Star Tour. Franchement, c'est pas mal. On se revoit dans le film. Donc, un conseil, par contre, si vous voulez pas vous faire spoiler le film, allez voir le film avant de faire l'attraction. C'est un conseil que je vous donne parce que franchement, sinon voilà, c'est pas mal. C'est comme d'habitude, Star Tour, voilà. Donc là, pour l'instant, ils vont apparemment laisser cette séquence là, donc de l'ascension de Skywalker, pendant un petit moment. Et ensuite, on va revenir sur, comme vous connaissez, comme d'habitude, avec les séquences aléatoires. Donc voilà. Donc là, c'est terminé pour la partie sans spoiler. Maintenant, on passe à la partie spoil. Donc si vous n'avez pas fait l'attraction, donc je vous conseille de quitter, ou si vous vous en foutez, voilà. Donc là, pendant juste quelques 30 secondes, voilà, quittez la vidéo et revenez après. C'est bon ? Allez, c'est parti. Alors pour la partie spoil,
on embarque, comme vous savez, donc, comme dans le film, on va sur la lune d'Endor, donc Kefir, avec les débris de l'étoile de la mort. Donc ça, c'est, voilà, c'est super. Ensuite, on redécolle et on aperçoit donc Lando Calrissian, voilà, le général Calrissian qui nous envoie en mission pour les aider du côté de la planète Exegol. C'est la planète où il y a, tout, où il y a tous les destroyers stellaires de l'empereur Palpatine. Donc comme vous avez vu dans le film, on arrive directement dans la bataille et on prépare la bataille littéralement et c'était super. Voilà, donc là c'était fini, donc à mon avis est plutôt positif, j'ai bien aimé. Donc allez le faire, donc Star Tour il faut le faire régulièrement parce que ça change tout le temps. En ce moment on en est à plus de 100 combinaisons différentes, il peut y avoir 100 combinaisons, pour l'instant ils vont laisser cette version là. Et ensuite après on va dit qu'on va arriver vers les légendes de la force cet hiver, on reviendra sur les versions aléatoires. Et on aura les autres scénarios comme vous avez l'habitude. Voilà, donc je vous laisse là, bon maintenant que vous en avez l'habitude aussi, on va aller faire on va aller voir la parade de Noël. Non, je ne dis pas. C'est quand même Noël. Et encore une fois, joyeux Noël. Tu adores Noël et je te fais ici. J'adore Noël. Ah, c'est le meilleur moment de l'année. C'est la plus belle fête. C'est le meilleur moment de l'année. C'est la plus belle saison de l'année. Ah oui, et ça me fait plaisir parce que tu aimes Noël, tu aimes le pôle Nord, les lutins, tout ça. Pas trop de froid. Ah oui, et puis surtout, tu as toujours été un enfant très sage. Pas toujours. Oui, non, mais dans la balance, les bonnes choses étaient plus nombreuses que les choses que... Moi, c'était pas les bêtises, mais bon. En tout cas, viens ici parce que parce qu'il faut vraiment qu'on fasse une photo tous les deux parce que on est tellement beaux tous les deux. Vas-y. Super. Voilà. Avec le bonnet. Ah, bah oui. Bah oui. Parfait. Voilà. Merci super. À vous. Je te souhaite un joyeux Noël. Hein. Joyeux Noël à moi. Ah, merci. C'est après demain. Oui, c'est demain et après-deux, c'est dans la nuit. Hein. Bah, oui, on est... Il y a eu beaucoup de travail. Oui, bah, les rennes sont plutôt en forme, ils ont hâte d'aller. Hein, non, les lutins, ils terminent les jouets. Hein. On est en avance cette année. Et tu voulais quoi pour Noël? Du bonheur et de la réussite. Oh, du bonheur et de la réussite. Bah, je te déposerai plein de bonheur et plein de réussite. Merci parce beaucoup. Que tu es un super gars. Merci voilà. Beaucoup. Voilà, ça y est, enfin, j'ai pu aller voir le Père Noël. Bon, ben, je suis un grand enfant. Voilà, ça, vous le savez. Bon, en tout cas, bon, on va se souhaiter joyeux Noël toute la journée, enfin, pendant toute la vidéo encore. Mais encore une fois, voilà, j'espère que pour vous aussi, vous m'écrivez en commentaire ce que vous avez demandé pour le Père Noël. Et est-ce que ça s'est réalisé ou pas, voilà. En tout cas, pour moi, pour Noël, je vous souhaite en tout cas du bonheur et
du bonheur en famille, voilà, c'est plus important. Et la santé, et puis etc. Et puis avec tout ce qui se passe aujourd'hui, vous voyez que voilà, ben c'est la plus belle période de l'année, Noël. Ouais, je dis, ben pour moi. Après, j'espère pour vous aussi. Bon, ben la journée se poursuit. On va voir ce qu'on peut faire. Puis je vous reprends dès que possible. Voilà. Allez, profite un peu du temps. Il y a un peu de vent, mais ça va. Allez, il y a du monde par contre pour le parc. Après, les gens sont arrivés. Voilà, ça se voit que c'est Noël, c'est les vacances de Noël. Il y a déjà beaucoup de monde sur le parc. Bon voilà, c'est comme ça. Allez, à plus tard. Alors voilà, donc là je vous retrouve ici. Donc là je suis au niveau de Frontierland, au niveau du restaurant Cowboy Cookout. Alors il faut savoir que la formule du Cowboy Cookout a changé. C'est-à-dire que, comme vous voyez derrière moi, ici, donc c'est à 34,99€, vous avez entrée à volonté, un choix entre trois plats, donc saumon, poulet fumé, chili vegan, et un buffet de dessert également à volonté. Voilà, donc ce n'est plus comme avant au comptoir, comme vous connaissez. Voilà. Donc il y a plusieurs, c'est à tester. Donc ça fera l'objet d'une vidéo, je vous ferai à part pour tester. Voilà. Vu que je suis là, je vous en parle comme ça. Ouais. J'en ai déjà parlé sur la page Marseille en Provence. Et là je vous en parle aussi. Voilà. Donc vous connaissez le Cowboy Cookout avec son ambiance western et cowboy. Voilà. Donc on va aller maintenant, je pense qu'on va aller faire un tour après du côté de Discoveryland. La Discoveryland, on va aller voir, on va aller revoir un spectacle qui me tient à cœur en cette période de Noël, c'est bien sûr Chantons Noël, on va chanter des chants de Noël célèbres. Bon, moi je vous laisse là et puis on se retrouve après. Vous ne m'attendiez pas, n'est-ce pas? Oh, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Surtout lorsque l'on chante Noël. Où en étiez-vous? Oh, Mickey, we were about... Je vous en place. Noël est mon moment préféré de l'année. Maestro, musique. You're right, Mickey. It's the most wonderful time of the year. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling, with everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. Hearts will be glowing when loved ones are near.
Donc après chantant Noël, on se retrouve, on enchaîne pour là, au Cas du Chazot, comme vous voyez, pour le show des princesses. Donc voilà, c'est parti. Allez, on se retrouve après. Thank you.
Bon, après le show de la vase royale des princesses, on a vu en passant, on a vu Donald aussi. Donc là, on change de parc. On va faire un tour du côté du Walt Disney Studio. On va aller revoir Mickey et le Big Band de Noël, qui est franchement le show, c'est le show de Noël à voir. Bon, je vous mets quelques images, je ne vais pas tout refilmer parce que ça, vous le retrouverez en plus long dans les vidéos précédentes de Noël. Donc voilà, puis on va faire quelques attractions également. On a un fast-pass pour la tour de la terreur. Puis on se retrouve après dès que possible. Voilà, allez. Voilà, ça y est, nous sommes au Walt Disney Studio alors que la pluie se remet à tomber, malheureusement. Bon, il y a au niveau des. Je voulais aller revoir l'animation célébration, la Reine des Neiges. Enfin, une invitation musicale. Donc, qui est la vidéo précédente, je vous invite à aller revoir. Ça a déjà été. On a déjà fait le tour. Bon, malheureusement, il y a un peu trop de monde. On va se consacrer plutôt à aller revoir le Big Band de Noël, qui est, me semble-t-il, un spectacle beaucoup plus cohérent, puisque c'est limité jusqu'au 6 janvier, alors que la Reine des Neiges, vous pouvez le retrouver jusque. Voilà, ce sera tout le temps, quasiment tout le temps ici. Voilà. Donc, bon, il n'y a plus de fast-pass à Tour de la Terreur, mais heureusement, j'en ai pris un. Et on va aller faire de suite le Hollywood Tower Hotel. J'en profite également pour vous renvoyer à la vidéo qu'on a fait lors de du festival d'Halloween, du vlog qui a été sur la découverte des nouveaux scénarios de la Tour de la Terreur. Voilà, je vous invite à aller voir ça. Je vous mets tout en description de toute façon, ou vous pouvez aller voir sur les vidéos de la chaîne, vous irez voir. Bon, mais je vous retrouve après, voilà. Bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux que le spectacle commence. Wait on the low. Let it snow, let it snow, let it snow.
Bon, voilà, après ce petit tour de Crush Coaster, on va se diriger pour... donc là, il est presque 20h. Voilà, c'est la fermeture du Walt Disney Studio. On va aller directement voir, revoir ce Prince Mickey sur version Noël. Donc avec toutes les ce qui accompagne pyrotechnie, mapping, etc. Voilà. Allez, c'est parti. Believe it or not,
Excusez-moi, je cherche Mimi. Bonjour, vous avez vu Mimi? Où est-elle? Ah, alors je suis en retard? Il y a quelqu'un? Ça y est, on a fini, on sort du studio, on va se trouver dans notre parc pour finir cette soirée. Donc j'ai pu rencontrer, voilà, c'est,
notre chère Kaina qui jouerait le rôle de Betty Rose. Vous la connaissez avec Pirates et Princesses, avec Gold Diva lors du Festival du Roi Lion et de la Jungle. Voilà. Donc voilà, c'est parti, on sort du studio, c'est dans la boîte. On se retrouve à côté. Bon, ça y est, on est dans le parc. Bon, il y a une guirlande qui marche pas trop bien, pardon. C'est un peu bon, c'est drôle, c'est à souligner. Bon, on a loupé l'illumination du sapin, mais bon, c'est pas grave. Bon, ça c'est pas. On a préféré plutôt se consacrer à Walt Disney Studios. Donc, on va aller faire. Je vais faire quelques attractions. Puis voilà, on se retrouvera vers la fin. Et puis on se souhaitera un joyeux Noël. Voilà. Et encore joyeux Noël, je le répète depuis ce matin, joyeux Noël. Star Tour à nouveau, c'est toujours super. Et vous avez vu, de nuit c'est super, regardez, c'est trop beau. Les éclairages de nuit de Star Tour, c'est fabuleux. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste? On va aller faire, on va aller finir à Pirate, on va aller faire Indiana Jones. Et on va aller à Phantom Manor, et puis voilà, après je crois qu'après ça sera l'heure de rentrer, voilà. Alors que le parc se vide de plus en plus, puis il y a encore du monde. Bon, mais on se retrouve après. Bon, voilà les amis, donc c'est ainsi que s'achève notre vidéo et notre journée, donc là, en cette avant-veille de Noël. Donc, je pense que, voilà, donc je vous souhaite avant tout un joyeux Noël. Donc, voilà, ça vient du... Et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Et franchement, je m'en félicite. J'aimerais qu'on arrive à passer la barre des 1000 d'ici l'été ou les 2000. Voilà, ce serait bien qu'on augmente la communauté au fur et à mesure. Voilà. Alors, pour la petite histoire, il s'est passé quelque chose d'assez rare ce soir. C'est que, regardez, alors, les lumières sont toujours éteintes dans le parc. En fait, Illumination s'est arrêté au bout de 4 minutes de show. Et plus d'Illumination, on s'est arrêté en plein milieu. Donc voilà, c'est assez rare. Donc j'imagine, je comprends et j'imagine la déception de beaucoup de personnes qui viennent malheureusement pas souvent. Ça peut vous arriver, voilà, que le soir vous allez voir Illumination et que d'un coup voilà ça s'arrête. Bon, malheureusement c'est comme ça et puis on peut rien y faire. Donc voilà, ça se donc encore une fois un joyeux Noël, tous mes vœux de bonheur, passez de bonnes fêtes, mangez pas trop de foie gras, hein. faites ce qu'il faut, je compte sur vous. Voilà, donc je vous retrouve, on se retrouve très bientôt. Voilà, donc bon, malheureusement il n'y a pas de lumière, mais bon voilà, il y a le sapin, c'est le plus important, le grand sapin. Bon voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, genre vous êtes de plus en plus nombreux, je compte sur vous. Voilà, et à bientôt, donc joyeux Noël, et à bientôt.